Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil sur Niche. On continue notre petite lignée de volants et notre lignée de hyènes. C'est parti, c'est un beau mix, c'est vraiment un beau mix. Là, on est parti pour se faire extrêmement plaisir. Par contre, 13 individus, ça commence à faire beaucoup. Toi, il va peut-être falloir que tu te reproduises. Attire les animaux sauvages. Je sais juste un coup pour voir. Oh, et on peut aller choper le lapin. La violence. Mais la violence. Je te reproduirai bien avec ta mère. Oula oui. Pour être sûr d'avoir un volant. C'est risqué, mais... ça se fait. Toi. Toi, on t'avait viré ou pas encore? Je ne sais plus. Par contre, j'ai joué. Mais là, la maman... la maman, on peut plus... Ah non, on l'a pas viré encore. On le fait ou pas? Parce que là, on a beaucoup. Hein. Ouais, allez. On a vraiment beaucoup de monde. Lui, il est étonnant. Hein. Lui, il est étonnant, mais on va pas le garder non plus. Il avait récupéré Cracking en même temps. C'est vrai que lui, il avait... Oh, il avait 8 en vol quand même. Il a combien en vol? Ouais, 8 aussi. Celui-là, il avait quand même Cracking. Si, on va peut-être le garder celui-là parce qu'il a quand même Cracking. Toi aussi. Et toi... toi, potentiellement, on peut ne plus te garder maintenant. C'est compliqué, hein. On a beaucoup d'individus. Là, on les reproduit les deux ensemble. Ça va être une cata, hein. Je pense que ça va être une cata. Mais ma foi... Allez, on teste. Et de ce côté-ci, est-ce que c'est notre hyène? Oui, c'est notre hyène. Va pas trop près des noix de coco, toi. Alors, attendez, on en est où? On a ce petit-là qui a 7. On avait elle qui était à 6. Et on avait lui qui était à 7. On a beaucoup de lui. Hein. Donc elle, on la garde. Parce qu'on manque de femelles en plus. Lui, 7. Et en plus, il a gardé d'autres gènes. On le garde. Lui, il n'a pas gardé assez de gènes à mon goût. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau? On te garde pour le moment, mon gars, mais c'est vrai que là, théoriquement, bon. On va peut-être arrêter d'embêter notre hyène. Notre hyène, j'aime bien comme je dis ça. Parce que... elle a bien bossé, hein. Et on est quand même à 12 individus, même si on a énormément de nourriture. On va quand même se détendre, se faut les nourrir. Alors, on a dit refaire un bébé. Par contre, il pleut. Ça, ça ne m'arrange pas. Dans le nid. Oh, t'es tellement beau, mon gars. C'est qu'on t'emmène. On va peut-être te recroiser avec les petites hyènes. Quoique, on va attendre pour le moment que les petites hyènes soient en âge. Oh, je l'avais oublié, lui. C'est une femelle. C'est une femelle avec une seule aile. Es-tu mieux que ta mère? J'ai l'impression. 4 et 2, 2. Tu es mieux que ta maman. Désolée, maman. À un moment donné, il faudra faire du tri. Toi. Toi, maintenant, t'es pas grandiose. Toi, maintenant, on peut aussi te délaisser. J'en suis fort désolée. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est déménager, en fait. Parce que là, on a du mal à s'y retrouver. Déménager nous permettrait d'y revoir un petit peu plus clair, d'un petit peu ce qu'on garde pas. Ça peut être plutôt pas mal. Toi, on va te garder pour le moment. Rapprochons un peu les copains, là. Ouais, toi, ça vaut plus le coup d'essayer de te déménager. Parce que... là, on a fait le tour, hein. Et on n'y voit plus très clair. J'aurais tendance à dire, toi, qu'on ne garde pas, donc on ne déménage pas, et toi, on ne te garde pas. C'est ça, où on garde pas. On garde plus. Parce que il faut faire des choix, somme toute, des fois cruels. Vous l'avez compris, hein, dans ce jeu-là, bon. Non. Non. Non plus. Du coup, il faut quand même garder quelqu'un pour faire le ménage. Toi, pour le moment, tu vas ramasser les baies. Donc là, il faut un peu virer tout le monde. Donc, si on change de rive pour y voir plus clair.
Tout va bien, à peu près. Ouf, désolé. Toi, ça va faire pareil, on va peut-être attendre. Hein, vous êtes un peu petit, quoi. Ouais, toi, bah, la même, hein. Vous partez d'un peu loin, c'est pour ça. Toi, tu vas attendre. Et toi... Ah, la violence. Ah, les volants, c'est tellement génial pour les déplacements. D'accord. Toi, tu peux te rapprocher. Bon. Madame, bonjour. Ouais. Ouais, on aurait pu faire des piafs volants. Truc. On va se détendre. Bah, le temps de pouvoir virer les petits, tu vas ramasser des trucs. Ça va rien faire, les petits. Hein. Ici. Ici, ici, ici. On en est où? On n'y voit pas très clair pour le moment. On a beaucoup de garçons, hein. Là, on a une fille, deux garçons. Ah, une fille. Ok. T'as encore que deux et deux? Bah, attendez. Hein. Attendez, attendez. On va pas vous tuer. Alors, nous avons encore un mâle. Bah, bof. On n'a vraiment pas récupéré l'ours, là. Ah ouais, on a pris que les gènes de la mère. Non. Non, 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 on a pris que les gènes de la mère. Non, ça ne va pas. Alors attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de perdre... Attends. Reproduis-toi avec lui. Je suis pas assez attention, mais bon. En voulant ajouter les gènes hyènes, je suis en train de perdre les gènes de volant. Parce que là, on a que lui qui vole vraiment, vraiment bien. Que tu pourrais croiser avec Kiel. C'est pas qu'on ait tellement choix, en fait. Voilà, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il faut lui faire un nid. Là, on n'a pas tellement, tellement, tellement le choix de... Oh, on a les super griffes. On a les super griffes de l'hyène. Par contre... Oh, on a l'élan de requin, la tête de requin aussi, on a fait ça comment? Deux respirations sous l'eau et... Ah bah, on sait pas comment... Non, pardon, on sait pas comment on les a fait. Par contre, on n'aura pas deux ailes avec eux. Il va falloir le recroiser avec elle, en fait. Avec elle, on peut refaire un volant. Je veux pas perdre la lignée de volant. Hein. Oh là là, ça va tellement vite. On les perd tellement vite. Il va falloir refaire des croisements. Hein. Va falloir refaire masse croisement. Avec tout ce petit monde, là. Et n'empêche, lui, il a 7 en dégâts pour un mangeur de noix. Madame, vous êtes toujours là? Ouais, hein. Fallait quelqu'un pour éliminer tous les autres. Si, on a eu un volant. On a eu un... Mais comment c'est possible qu'il ait rien? Ah si, si, il a les grandes ailes, il a les grandes oreilles, il a les cornes de bélier. Mais 6... Ah, il a pris du papa. Ah ouais, c'est vrai que le papa, il est tout pourri, en fait. Oh, ah ouais. Ouais, non, le papa, il vole, mais... voilà, quoi. Maman va bientôt mourir, donc faut vraiment la reproduire. Oui. Oui, oui, oui. Il nous faut une bonne femelle, hein. Parce que toi, t'as 3 dégâts. Il nous faut une bonne femelle qui cogne. Elle. Bah, mais elle aussi, elle aussi, c'était... Elle est où? C'était une bonne femelle qui cogne. Parce que là, elle a 6 aussi. Mais on va essayer, mais... ouais. Voilà, il va falloir faire quelques repros. Hein. Il va falloir faire quelques repros en espérant ne pas avoir des malades. Ça va être un peu compliqué. Mais c'est niche. Hein. Toi, t'étais censé aller jusqu'à l'arbre pour chercher à bouffer.
était toujours à la traîne derrière. Toi, tu peux y aller aussi, hein. Oui. Voilà. Vous pouvez aller à l'arbre, hein. Tous autant que vous êtes. Il n'y a pas de chouette en plus. Alors, on s'en fout du petit. Quoi, tu... Je t'ai reproduit. J'ai oublié, je l'avais reproduit. Bon. Attention. Toi. Toi, on voulait donc te reproduire. Est-ce qu'on refait avec lui ou on fait vraiment un petit qui cogne? Petit qui cogne? Mais c'est dommage parce que je lui ai mis des gènes de volant. J'aurais pas dû. Bon, toi, tu seras. Tu remplaceras ton père quand il ne sera plus. Dirais-je. Toi, ok. Toi. Attendez. Toi, tu vas. Tu es là pour la bouffe. Voyons-y plus clair. Ok. Toi, tu es un bon reproducteur aussi. Tu pourrais. Bah elle, ok, bah elle est déjà en cours. Ah merde, je sais pas pourquoi je fais des nids partout alors qu'on en a un là. C'est parce qu'on a trop d'herbe. Et ah! Attends, c'est peut-être la nôtre. Castaille pas. Ah non, c'est pas la nôtre. Ouais, alors tu tapes à 3. C'est parce qu'il faut se défendre, hein, parce que 3, ouais. Ah ouais, là t'es mal engagé. Hein. Ah bah voilà. Bon bah voilà, on est sur cette île maintenant. Eh, mine de rien, on est sur la dernière. Ça y est, on va pouvoir changer. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ça. Bah qui est mieux que... Ah ouais, non, parce que celui-là, il a les deux ailes. Ouais. Bah le même en fait que celui-là. Sauf la couleur après qui est pas la même, hein. C'est selon les goûts. Par contre, c'est encore deux mâles, quoi. On fait un élevage de mâles. Ah, c'est un mâle. Il a que un. Oh là là, mais il a un. Alors, il est très joli, hein, ce petit machin rose. Hein. Mais comment? Mais comment? Parce que j'ai mis trop de gènes. J'aurais dû mettre que des gènes de dégâts. Mais si j'avais mis que des gènes de dégâts, on n'aurait pas les ailes. C'est compliqué. Et ici. Ça, c'est du beau bébé, ça. Par contre, qu'est-ce que c'est? C'est un garçon. Dernière potentielle portée pour madame. Voilà. On a trop de mal, beaucoup trop de mal. Ouais. Ouais, là on a trop de garçons. Hein. Allez, on va garder le rouge. Trop, trop de garçons. Beaucoup trop. C'est un vrai problème. Maman est morte, elle nous a fait une petite fille. Bon, elle a que 6 de dégâts malheureusement. Mais bon. C'est mieux que rien. Elle nous a fait une petite fille pas malade. On peut déjà s'estimer heureux. Ici, la bouffe, parce que mine de rien, vu le nombre d'individus qu'on est, ça diminue. Tu n'as pas cracking. Qu'est-ce que tu fais là? Qui a cracking? Toi. Voilà. Donc toi, tu t'en vas, toi, tu restes, toi, tu t'en vas. Toi, tu restes. Et on pourrait te reproduire. On tente avec lui. Non, t'arriveras pas à aller jusque-là. Voilà, mais il n'y a pas de place. Ouais, c'est pas grave. Il n'y avait pas un nid. Ouais, voilà, va par là. Va ce nid-là. Et toi, t'as qu'à aller au bord de l'eau. Je sais plus trop quoi faire de vous, les gars. Vous êtes trop nombreux, hein. Allez explorer aussi. Ouais, on peut explorer un peu. Il y a peut-être des nouveaux gènes à récupérer encore. Sait-on jamais, madame? Ici, toi, toi. Hop, hop, hop. Allez vivre votre liberté. Libérer tel frais les petits popoys. Toi, faut pas qu'on oublie de te reproduire, hein. Mais avec tous ces mâles. Bon, il y a ton fils pour la génération future, mais bon. La petite à 6. L'autre à 6 qui va nous faire un bébé là.
Ouais, reste près d'elle. La 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 la. 7. C'est bien, c'est très bien ça. Et oui. Allez, continue à faire des bébés. Tout ce qu'il faut, hein. Ah merde. 5. Nos piafs commencent à augmenter, mais il est malade. La loose, la loose, la loose. Dommage. Dommage, dommage. Vraiment dommage. On avait réussi à augmenter en mettant une aile. Ouais, hein. Bah, on va continuer à bosser. Bon, là, il y a que des mâles. Voilà. Bah, ouais, non, mais là, les femelles, c'est un problème. Hein. Les femelles, c'est un vrai problème. Hein. C'est un mâle. C'est un mâle. C'est un mâle, on ne l'a pas gardé. Ça, oh, on n'a plus qu'une femelle. Ça pue. Ouh, bah alors elle, il va falloir qu'elle fasse des bébés, mais alors bien, bien. Hein. Oh. Ah ouais. J'avais pas cogité à ce point-là. On va réessayer. CE. Ah, c'est le E, c'est le E. Hein. Bah, on essaie, hein. C'est pas qu'on ait un choix extraordinaire. On réessaie, hein. C'est pas obligé que les petits soient malades. Il y a le risque. Mais. Bah, de toute façon, on va la tester avec un peu tous les mâles. Parce que là, c'était un très, très très gros problème. Trouvez-nous une nouvelle fifi. Please. Lui, on garde. Ah, mais non, il y a elle qui grandit. Ouais, il y a elle qui grandit, heureusement. Éloigne-toi du malade. Et lui, on va pas le garder. Hein. On pourra le virer à un moment donné. Tu peux te rapprocher doucement, mais... Faire attention. Oh là là. Ça fait trop longtemps que je joue, ça fait trop d'heures que j'y suis, je n'arrive plus du tout à cliquer. Et vous rendez pas compte, vous avez un épisode par jour. Mais là, moi, j'ai un peu de temps pour. Donc, j'ai enregistré, je sais plus combien d'épisodes dans la journée. Bref. Une femelle pas malade. Une femelle pas malade. Elle a 4. C'est pas extraordinaire. Elle a qu'une aile. Mais ça avance, ça avance. Ça progresse. On a réussi à faire une femelle pas malade. Je retenterai bien avec vous. Et du coup, elle, il fera soit avec son frère, soit avec son père. S'il est encore là, il sera plus là. Il y a lui qui a 8 aussi qu'il faut. Ouais. Qu'il faut continuer. Avec cette petite cassette. Allez. Va-t'en, 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 va-t'en. Toi, tu es notre successeur, hein? Va pas trop loin. Et un mâle. Bon, et au moins, on a rattrapé un peu de dégâts, mais encore un mâle. Bon. Vous. Alors, j'avoue que je fais plus très attention aux gènes. On n'a pas une super fécondité, hein? 3, c'est pas Jojo. Est-ce que c'est la nôtre? Non, elle nous a pas suivi jusque-là. Il va falloir. Ouais, parce que là, on va avoir pas mal d'individus malades à force de tout reproduire comme ça sans faire trop attention. Mais bon. D'un autre côté, voilà quoi. C'est pas qu'on ait des nouveaux gènes, hein. On a toujours les mêmes depuis tout à l'heure. On fait avec ce qu'on a. Coucou copain, je sais pas quoi faire de toi. Oh non, j'avais pas vu, c'est son dernier tour. Oh. Oh, notre cher petit mâle, il était tellement beau, notre premier ailé. Du coup, ah, la vache, il vient de loin ce gène-là. Hein. Oh,
Le gène et la chauve-souris, il vient de loin dans la lignée. Hein. Ah oui, là, les ailes, on les a plus du tout. Hein. Donc, on se reconcentre. Notre mâle ailé actuel, c'est lui. Est-ce que c'était bien utile? Donc, notre mâle ailé. DC. Moi, je veux les ailes. Non, s'il vous plaît. Pourquoi? Les ailes. Les ailes. Et donc, madame, vous êtes quoi? GC, bon, on a le C en commun. Toi, EG. Ah, mais lui, il avait le G. Non, DC et EG. Bien. On va donc prendre elle. Il y a une aile. Bah écoutez, hein. On la tente. Non, dans l'autre. Ah oui, non, il a fini. Elle a encore un peu de temps, la dame. Elle a encore un peu de temps. On peut faire les deux. Hein. Franchement, on peut faire les deux. Je t'ai mis des gènes à toi. Non. C'est risqué. Voilà. J'aimerais tellement une femelle ailée, s'il vous plaît. Une femelle volante. S'il vous plaît. Merci. Hop. Un petit peu de viande, ça change. Là, toi, tu glandes. Oui, t'as 8 ans dégâts, t'es là, t'es fier, t'es féroce, mais tu glandes. Donc, va chercher à manger. Toi, te barre pas trop loin, parce qu'à un moment donné, tu vas être reproductible. Et toi, bah, explore, hein. Allez. Alors, j'allais dire les bébés, mais non, pas encore. Toi, là. Toi, ouais. On a tellement d'air, de toute façon. La petite chauve pourrie, elle attend. Toi... On te garde, toi? Non, hein. Qu'on te garde, lui. On n'a pas à le garder, lui. On a des mal à plus savoir quoi en faire. Désolé, petit, mais je réalise que tu es de trop. On a quand même du monde, hein. À nourrir. Ah, une petite hyénounette. Ah, copine. Cool. On va pouvoir refaire des petites hyénounettes. Elle est où ta maman? Ah, peut-être on l'a déjà tué. Peut-être on a déjà tué sa mère. Hein. De toute façon, si elle se promène sans maman, c'est qu'il s'est passé un drame. Du coup, nous en sommes certainement coupables, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, deux bébés pas malades, pas malades, pas malades, pas malades. Yes, on a une volante. Oh, t'es crotte en plus cette femelle. Zen. Zen, des fois elle guérissent. Et peut-être qu'elle peut faire un bébé pas malade. Il faut juste que le mâle arrive à s'accoupler avec elle sans tomber malade. C'est possible. Et celui-là, il a une demi... Ouais, bon, il a récupéré plusieurs gènes. On peut plus rechanger après. Hein. On réessayera. On réessayera. Bon, le monsieur. On a tellement de quoi faire. Alors, elle, on voulait la reproduire aussi. Hein. Ah, ça y est, elle est en âge. Avec son frère, ça va être problématique. Hein. T'as 4. EC. DC, donc on a le C en commun qui peut être un problème. On va quand même tenter à un moment donné. Oui, toi tu peux surveiller la petite hyène hein, si elle reste dans le coin. Toi aussi tu peux remonter vers ici. Vous êtes à 3 sur un pauvre arbre, ça me paraît un peu beaucoup. Ouais, voilà. Hop, le copain qui est là. Ah oui, oui, ça sert pas à grand chose. Bon. Alors. Nous avons une petite femelle avec une aile qui n'est pas malade. Est-ce qu'elle vaut le coup par rapport à elle? À vue de nez, elle a rien de neuf, quoi. Par les grandes oreilles pour la chaleur. Voilà, elle est peut-être plus efficace en chaleur.
Elle, de toute façon, c'est très étonnant ce que je viens de dire. Elle, de toute façon, elle doit se reproduire. Donc on avait dit avec qui? On avait dit avec lui. Le problème, c'est qu'on va baisser les dégâts, mais bon. On va potentiellement regagner des ailes. Il faut ce qu'il faut, hein. La petite chenounette, elle est bien sage. Hein. Quand ils sont tout petits, ils sont bien sages. Puis après, ça part à valo, hein. C'est ça volo, ça se barre dans tous les sens. Madame. Madame, 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 madame. T'as 7 en dégâts, toi, quand même. Tu pourrais te reproduire aussi, toi. Je regarde plus maintenant, je reproduis dans le tas, je... Bon. Ouais, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ah, on a perdu du monde. Oh, la bouffe a baissé, hein. On fait tellement de bébés. La bouffe a quand même méchamment baissé. Toi, tu restes ici toute seule, mais on... Shit. Alors attendez, chaque chose en son temps. On avait récupéré une petite albinos. Et toi, par là-bas, toi. Ah, dommage. C'est un mâle. Merde. Oh, c'est dangereux ce qu'on fait là. Je voulais essayer de m'accoupler avec, mais... Oula, voilà, trop d'informations là. Trop d'informations. On n'y voit plus rien. Elle peut se reproduire avec lui. Sûrement que non, mais... J'essaie... Bah, il y aura le C en commun, quoi. Toi. Ah, il y a la dame là. Enfin, le monsieur dame là. Toi, je sais plus quoi faire. J'ai trop de popoy. J'ai trop de popoy. Beaucoup trop de popoy. Je sais pas qu'il y a besoin de garder les deux chauves-souris là. Ah, celle-là, elle a une aile. Du coup. Du coup, quoi. Oh, elle vole, je suis dégoûtée. Elle vole, il faudrait la reproduire avec un volant en fait. Ouais, mais c'est son padré. C'est. Ah oui, bah oui, c'est pour ça qu'elle est malade. DC, ouais, c'est mort. Pas avec. Il nous faut pas de C. Par exemple. C'est dommage, j'ai été. Faudra tenter. Pas pour le moment, ils sont trop jeunes. Faudra tenter. Ok. J'ai oublié des trucs, non hein. Je crois que j'ai oublié des trucs. Là, portée, bébé. Voilà, ça a marché direct. Oh, bonjour. Oh, une queue de paon. Une queue de paon. Oh, merde. Oh, merde, il est quasiment mort. Oh, une queue de paon avec du cracking. Oh, dommage. Oh, c'est dommage. Ah, puis j'ai pas de fifi qui peut voler jusque-là. Oh, on aurait pu récupérer un nouveau gène. Si dommage. Si trop dommage. Et toi, tu as également un problème. Oui, tu es un problème que l'on devra résoudre à un moment donné. Allez, pas de bébé malade. Yes! Mais pourquoi c'est toujours des mâles? Bon, on a récupéré un volant. On a le père, quoi. Bon, bah, c'est vrai que le père commence à être vieux. On a la copie du père. Et c'est encore un mal, hein. C'est frustrant. Il y a comme une frustration à force. Qu'est-ce que je fais de toi? Qu'est-ce que je fais de vous? Tu peux virer, toi. Le souci, c'est que... On va l'avoir dans les pattes, maintenant. Toi, on n'a pas tellement de raison de te garder, à part que t'es une fille. Il nous reste quoi comme fille? Une, deux. Elle, qu'on va quand même essayer de reproduire. Parce que là, 11 individus, la bouffe commence à être un problème. Hein. Va falloir commencer à prendre des risques. Parce que... ah, je peux pas le virer. La bouffe est un problème. T'as pas des trucs à aller zinguer, toi?
Ah mais attendez, parce que lui, il bosse plus. Mais qu'est-ce, pourquoi je... Pourquoi... J'étais un peu oublié, mon gars. En fait, vous étiez nombreux ici, mais c'était bien. Bah, je te ramène... personne. Personne, en fait. Personne. Toi, tu peux pas pêcher, essayer de choper des poiscailles. Ce serait bien. Donc, elle peut se reproduire, ça y est. Pas encore. Je crois pas encore. Quoique, on tente. Merde. Non, parce qu'après, il pourra pas se barrer. Fuis, mon gars, fuis! Toi. Ouais, miam miam. Oh, bonjour, c'est un que j'ai viré. Le crabe, t'es pas en mesure de le faire tout seul. Hein. Je suis désolée, c'est dit que je t'envoyais quelqu'un. Bah, la petite, elle va venir t'aider. Elle va pas pouvoir faire grand chose, mais. Ok, bah, fais un bébé, toi, sous la pluie, c'est parfait. On est nickel. Ah, t'as un buisson à zinguer par là-bas. Oh là, faire tout le tour. C'est la nôtre, hein, ça. Ouais. Enfin, la nôtre. C'est un grand mot, mais. C'est notre copine, quoi. Qu'est-ce que je voulais faire avec toi? Peut-être refaire un bébé. Attends. Même si c'est pas idéal, hein. ECDC. Ouais, de toute façon, c'est pas qu'on ait le choix, quoi. C'est laquelle la mieux des deux? 4 et... 7 et 3. Ah ouais, mais elle a pas d'aile. Elle a pas d'aile. On va attendre de voir ce bébé-là. Si ça donne quelque chose. Oh! Une petite hyène! Oh, une petite hyène avec une aile! Oh, excellent. Va-t'en. Ne rends pas ta petite malade. Toi, tu venais aider par ici, mais... Voilà quoi, si t'as pu prendre le buisson. Faudrait quelqu'un avec cracking dans le coin. Y a pas quelqu'un avec cracking? Y avait pas un truc insecte dans le coin? Non. Non, pas sur cette île. D'ailleurs, faudra qu'on pense à déménager à un moment donné aussi. Parce que je nous sens pas d'une utilité. Oh! La hyène, elle a chassé, elle a pas pris la bouffe? Oh! Oh bah la hyène, elle chasse bien bien. Mais alors bien bien. Alors attendez. Toi petite. Petit. T'as encore mal. On tente. Ça va faire du petit malade encore. Oh, on a récupéré une hyène avec une aile. C'est spécial hein, comme piaf. Hein. Oh la tronche. La tronche. On va te mettre double aile. Et on verra avec qui... Ah, c'est une femelle. Ça, c'est bon, ça. Oui, ça valait le coup d'essayer. C'est bon, ça. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire d'utile? T'as pas l'air utile, là, comme ça, à te regarder. Toi non plus. Toi, Oh, il y a trop de monde, là. On commence à galérer sur la bouffe. Là, faut qu'on fasse des choix. Toi, tu cognes, mais t'as pas d'aile. Écoute, je suis désolée. J'ai qu'à la base, je crois qu'on voulait te garder. Mais là, faut qu'on fasse des choix. Ouais. Là, on n'a plus le choix que de faire des choix. On a trop d'individus par rapport à la bouffe disponible. Et encore, notre petite hyène, là, elle est bien gentille. Hein, elle chasse, elle ramasse pas sa bouffe. Ok, au moins, elle est pas malade. Au moins, il est pas malade. Il cogne pas mal, il a une aile. C'est plutôt pas mal. Toi. Là, il faut. Hein. Là, on n'a plus le choix. Non. Et merde. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Allez, reprends ta liberté. Ok. Toi.
J'aurais tendance à dire reprends ta liberté aussi, mais il faut que quelqu'un puisse venir. Il faudrait un volant qui puisse faire l'aller-retour. Maintenant, je t'ai viré. le petit est encore un peu petit pour jouer à ça. J'ai un peu du mal à m'y retrouver. Hein. C'est pour ça que j'aime bien déménager régulièrement. Parce que c'est compliqué là. Là, c'est compliqué. Ah ouais, t'es un peu inutile toi. Hein. On peut faire un truc méchant. Ah, bon, allez, t'as été utile. Tu gagnes un tour. Pareil, entre vous deux, faut qu'on se décide. On va garder l'autre. Je crois que j'avais décidé l'inverse. Hein. Ouais, mais il a 7 en dégâts. Allez. Donc 10. 10, 10, 10, on a bien diminué. Non, tu vas attendre que le nid soit libre en espérant que ce soit... Ouais. Ce serait pas si mal hein, de déménager, de voir un petit peu ce qu'il y a. Ah bah si, il y a un truc insecte. Ce qu'il y a de l'autre côté, parce que là, ça commence à être... Là, ça commence à être le Bronx. Non. J'ai eu tellement peur. J'ai eu peur, là. Hein. Là, j'ai eu très très peur. J'ai vraiment cru qu'il était malade. La bouffe, nous faut de la bouffe. Mais vous prenez pas cracking, c'est con, c'est con, c'est con. On cogne, mais il n'y a rien à massacrer. Oh, faut qu'on aille sur une île où il faut faire du massacre. Elle est où la sortie? Elle est là la sortie. On va se rapprocher de la sortie. Parce que là on n'y voit plus rien là. On n'y voit plus clair. Et du coup ça va nous permettre de faire le ménage. Toi on t'emmène pas. Toi on t'emmène pas. Et en plus on nous a bouffé notre viande. On va voir dans l'eau ce qui s'y passe. Ouais là là et là il faut qu'on... Là faut qu'on bouge parce qu'on n'y voit plus rien. J'ai besoin d'y voir clair. Toi, t'es malade. Toi, t'as déjà fait tes mouvements. Toi, tu vas accoucher. Toi. Hop. La yenounette. La yenounette. Toi. Ici. Oh, bah voilà. On récupère un mal. Madame, viens. Compliqué d'avancer là-dedans. Toi et toi. Ah bah toi, t'as plus le temps. Pff, toi, malheureusement, t'as plus tellement le temps non plus. En vrai. Oh, c'est laborieux. Donc là, on a trois mâles. Un pécat. Non, ça, c'est une femelle. C'est juste que les hyènes, elles sont pollues. Ça c'est un mâle, ça c'est un mâle. Qui a une sangsue. Elle. Bon, parce que c'est vraiment parce que t'es une femelle. Hein. Et qu'on n'en a pas en deux trop. Et là, 6. Toujours que 2. Hein. Toi, t'as combien? T'as combien? 2. Et t'as le temps. Donc on va pas prendre le lui. Et toi, par contre, t'as 6. Donc on va essayer de monter les dégâts de nos volants. Donc, mademoiselle, si vous voulez avancer, et toi. Oh, mais il n'y a pas moyen de passer plus vite, là. Oh, il n'y a pas de place. C'est l'enfer. Pff, toi, essaie de venir, mais je crois... Oh, quoi que... Tiens, là. Alors, le temps que l'autre arrive... Bon, ça va faire le ménage. Hein. Par contre, la bouffe... Ouh, la bouffe. Oh, la vache, la bouffe. Non, là, on n'a pas le temps. On va faire avec ce qu'on a. Non, allez. Non ! Putain. Ouais, on n'a pas le temps. On n'a pas bouffé. On est mort. J'ai peut-être fait une boulette. J'ai peut-être fait une boulette en déménageant déjà. Bon, je fais des boulettes en appuyant mal, hein. Mais succès verrouillé l'archipel. Oh, c'est quoi l'archipel?
s'appelle. Ah, bah, dis donc, il y en a des choses. Ah, là, on partira peut-être vers le désert. Ouh, il va falloir se préparer au désert. Parce que là, on repart en zone safe. C'est bon, on a fait assez. Oh, on va devoir se préparer à quelque chose un petit peu plus désertique, là. Ok, on a notre petite famille de Popeye. On va arrêter là. Ouais, faudra refaire un peu le point. Faudra très vite trouver à manger. Là, la bouffe est un vrai problème. Là, honnêtement, c'est risqué. Là, j'ai pris un gros risque. On n'a plus de bouffe. On avait des tonnes de bouffe. Mais on a tellement fait de bébés qu'on n'a plus de bouffe. Et là, on peut perdre la partie à cause de la bouffe. On verra bien. Je vous dis à demain. Bye bye. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream.